c'est l'heure de la Jupie Masterclass d'Olivier Mine. Découvrons ensemble votre ou vos films préférés. Mes amis chéris, rassurez-vous, si je vous qualifie de chéris, c'est par affection. Cela ne vous engage en rien dans nos relations futures. Mes amis chéris, disais-je donc, je dois en préambule de cette lecture vous prévenir que je n'ai pas vraiment de film préféré. Je n'ai d'ailleurs rien de vraiment préféré. Je n'ai jamais pu me résoudre à préférer une œuvre plus qu'une autre, puisqu'une telle disposition intellectuelle m'empêcherait d'être inspiré par toutes. Quand la jeune Charline, ici présente, me proposa ce périlleux exercice, je répondis de rechef « J'en suis !» tout en sachant que je l'en fumais dans le même temps. Elle ne savait pas, la pauvre mignonne, où elle mettait le doigt, si ce n'est qu'il ressortit propre comme il était entré, ça c'est pour rassurer sa famille. D'emblée, la tentation fut grande, je ne vous le cache pas, de vous choquer, aimable auditoire, en vous parlant du Petit Baigneur de Robert Derry, œuvre impérissable sur le génie entrepreneurial français. Je sentais que je tenais là l'idée du siècle, je vous l'avoue. L'ultime provocation, voyez-vous, supputant que jamais un tel film n'avait été évoqué dans cette maison grandiose. J'allais à n'en pas douter, créer le plus gros scandale de l'histoire du service public depuis ce jour de l'inauguration de la maison de la radio où André Malraux aurait pris la porte de la direction des affaires culturelles pour celle des toilettes. Je ne vous ai rien dit, bien entendu. Je m'amusais donc, imaginez, comme un idiot que je suis, à voir vos yeux ébahis pendant que je détaillais par le menu les efforts désespérés de Louis-Philippe Fourchaume pour récupérer le contrat d'exploitation d'un petit voilier. Je vois bien, vous savez, le voile d'angoisse qui vient de se poser sur vos yeux. Vous vous dites, mais c'est que ce con va nous faire tout son biais sur ce film à danois. Mais non, mes amis chéris, il n'en est rien. J'ai fini, la raison triomphant toujours, par choisir l'incroyable histoire du facteur cheval de Nils Tavernier. L'histoire, vous la connaissez, un film qui m'émute aux larmes et qui raconte donc le destin singulier d'un homme de rien qui bâtit, de petites pierres sculptées par les éléments, un palais idéal. Le facteur cheval maçonnera son édifice en gratifiant les minéraux ramassés lors de ses tournées postales de plus de passion et d'amour qu'aucune pierre de cathédrale n'en aura jamais reçu. Un roman en soi, vous dis-je, un film que cette vie-là. Cette histoire nous parle aussi du temps lent, 33 ans, qu'un homme consacra à quelque chose de plus grand que lui. Alors que la frénésie nous gagne à nouveau, cela ne pouvait que me parler, moi qui viens du temps de Ferdinand. Aujourd'hui, tout, dans l'instant, doit être livré, compris, exprimé, répondu, réalisé. Elle n'est pourtant pas loin l'époque où nous imposions à nos désirs l'attente qu'ils soient assouvis. Si on ne nous donne plus le temps lent de faire, de penser, d'aimer, que sera demain sans le temps présent qui ne nous est plus permis? Ferdinand, qu'à Autry vont qualifier de fou, s'autorisait à rêver. Nous courons partout, pauvres insomniaques que nous sommes, sans savoir où nous allons, et on nous dit normaux. En retard, je suis encore en retard, nous dit le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles, si ce n'est que le lagomorphe névrosé maîtrise le temps, ce pourquoi il est si inquiet de le perdre quand nous pensons le maîtriser alors qu'il nous échappe. Ferdinand fit plus que rêver grand, il vécut grand, comme le cinéma nous invite à le faire. Il serait regrettable que les jeunes ne regardent plus des histoires que par la lucarne mesquine d'appareils connectés, réduisant ainsi leur existence à la taille de leur téléphone portable. Vivons nos vies en cinémascope, mes amis chéris. Les drames n'en seront que plus tragiques, oui, mais les bonheurs en seront d'autant plus flamboyants. Et que mes larmes d'hier nous rappellent ce que nous dit le palais idéal, ne renonçons jamais à prendre le temps de vivre ce que nous sommes. Oh, Olivier Mine ! Prenons le temps d'aimer ce que nous sommes, quel que soit le corps à qui l'on donne, loin de nous, des terres se brûle et nous pardonne. Nos enfants jouent quand d'autres s'endorment. Vivre enfin, mais vivre tel que nous sommes, pour finir poussière et fier de nous. Qui entendons-nous là? Jean-François Varlet, qui est un artiste qui a sorti un album live qui s'appelle Peinture à l'eau et que j'ai l'honneur de produire. Eh bien, voilà. Merci beaucoup Olivier Mine. Merci. Et on adore à vous. Le petit baigneur. Mais moi aussi, mais ouais, évidemment, bien sûr. Et je me doutais bien que vous l'aimiez aussi. Oui. Il fallait bien que je me moque un peu. Mais bien sûr, c'était votre Jupie Masterclass. Et je rappelle aussi, tiens, par exemple, Un château pour Hollywood chez Séguier, votre roman. Et Louis Jourdan, le dernier French Lover d'Hollywood aussi chez Séguier, livre qu'on a beaucoup aimé.